Donc on a déjà vu l'autoprotolyse de l'eau, c'est-à-dire l'eau qui réagit sur elle-même, l'eau qui se dissocie. Donc c'est un équilibre qui produit des ions H+ et HO- hydroxyde. Et donc à 25 degrés, donc pour une eau pure à 25 C, eh bien la constante d'équilibre de cette réaction est très connue, c'est ce qu'on appelle le produit ionique de l'eau, Ke, qui est donc égal au produit multiplication entre la concentration H+ et H- divisée par le produit des réactifs, mais les réactifs c'est ici l'eau qui est le solvant, donc ça revient à diviser par 1. Donc cette constante Ke qui ne dépend que de la température pour cette réaction, eh bien c'est H+ fois H- qui vaut 10 puissance moins 14. Alors pour ce qui est des concentrations dans l'eau pure à 25 degrés, H+ et H- tu les connais aussi par cœur, c'est 10 puissance moins 7 mol par litre pour les deux. Alors, je peux prendre en fait l'opposé du logarithme de cette équation. Ça va construire la grandeur qu'on appelle le PKE. En général, en chimie, P, ça veut dire on prend l'opposé du logarithme, moins le logarithme. Donc, moins le logarithme de KE, logarithme en base 10, bien sûr. Donc, si je prends moins log en base 10 de 10 puissance moins 14, ça nous donne tout simplement 14. Et donc, ça, c'est égal à moins log du produit h fois hO-. D'après les cours de mathématiques, on sait que le logarithme d'un produit c'est égal à la somme des logs, c'est-à-dire qu'on a ici moins logarithme de h moins logarithme de hO-. Donc ici, on reconnaît bien sûr moins log de H3O+, moins log de H+, c'est-à-dire le pH. Donc on a notre pH, sachant qu'ici on a 10 puissance moins 7 dans l'eau pure, c'est un pH qui vaut 7. Et ici, on reconnaît la définition qu'on a vue dans la vidéo précédente, ben, du pOH. Et donc ici, dans l'eau pure, c'est aussi 10 moins 7 la concentration en ion hydroxyde, donc un pOH de 7. Donc tout ça nous permet de déduire la relation importante entre le pke, le ph et le poh, Et donc pke est égal à ph plus poh. Donc ça c'est une relation vraiment très importante. En effet, le pke, on sait que à 25 degrés, eh bien c'est tout simplement égal à 14. Donc en modifiant ph ou poh, eh bien on peut retrouver l'un ou l'autre grâce à cette constante à 25 degrés. Alors, ceci étant dit, on peut passer à la suite. Donc, on va considérer la réaction suivante qui n'est pas un équilibre, elle, est... elle se produit dans un sens unique. Donc, HCl aqueux donne H ⁇ à que plus aqueux Cl plus Cl-aqueux. Et on va partir d'une concentration en HCl de 1 mol par litre. Donc, on peut se poser la question, quel est le pH de cette solution dans laquelle j'ai mis du HCl alors, on se rappelle, HCl, c'est un acide fort, il est totalement dissocié, donc c'est pour ça que j'ai une flèche dans un sens unique ici. La totalité du HCl va donner du H ⁇ plus du Cl-. Donc, en fait, la concentration en H ⁇ on la connaît tout de suite, c'est également une mol par litre, puisque la totalité de HCl va disparaître pour donner du H ⁇ et du Cl-. Donc, très simplement, on peut calculer le pH, qui est égal à moins... Logarithme en base 10 de donc ici 1 mol par litre, donc logarithme de 1 et eh bien ça fait 0, bien sûr, donc on a un pH nul qui vaut 0. Donc pour, pour comparaison, hein, je rappelle que le pH de l'eau pure à 25 degrés et eh bien c'est égal à 7, c'est ce qu'on appelle une solution neutre. Et ici, donc ce qu'on a trouvé, c'est que le pH de HCl en solution aqueuse avec 1 mol par litre à 25 degrés aussi et eh bien on trouve 0 donc c'est bien sûr une solution acide puisque les solutions acides ont un pH inférieur à 7 on peut s'intéresser aussi au pOH de cette solution HCl, donc là on va se souvenir du principe de Le Chatelier, dans, dans cet équilibre de dissociation de l'eau, qu'est-ce qui se passe si on rajoute beaucoup de H+, et eh bien on va déplacer la réaction vers la gauche, donc on va consommer beaucoup de HO-. Donc par rapport au 10-7 de H+, qu'on a dans une eau pure en équilibre, eh bien on va mettre 10 millions de fois plus de protons dans cette solution. Donc on va énormément bien sûr augmenter cette concentration en H+, et ce qui va diminuer énormément la concentration en H- via cette réaction dans le sens indirect. Donc bien sûr la concentration en H- va être très faible. Donc pour trouver notre pOH, on va utiliser pKe égale pH plus pOH, donc PKE égale pH plus POH, ça veut dire que 14, c'est notre PKE, est égal à 0 plus POH. Donc immédiatement, on sait que notre POH, eh bien, il vaut 14, dans ce cas précis, de HCl à 1 mole par litre dans l'eau. Donc on peut maintenant s'intéresser au cas d'une base forte, on vient de voir l'acide fort HCl, et bien une base forte ça va par exemple être KOH, donc KOH en solution aqueuse, produit selon la réaction directe du K ⁇ en solution aqueuse et HO ⁇ en solution aqueuse. Donc si on part d'une solution de KOH à 1 mol par litre, donc quelle est la concentration en HO ⁇ avec cette réaction, et bien puisqu'on dissocie totalement le KOH en K ⁇ et HO ⁇ et qu'on part d'une mole par litre, et bien on va retrouver une concentration très logiquement de HO- qui est égal à 1 mol par litre. Donc avec cette concentration HO- en une mol par litre, ben le POH moins log de Ho- eh bien ça va donner très simplement 0. Donc quel est le pH correspondant Eh bien on sait que notre PKE est égal à pH plus POH. PKE c'est 14 à 25 degrés, pH c'est l'inconnu qu'on cherche, et POH c'est 0. Donc dans ce cas précis, le pH est égal à 14. Donc si je résume ce qu'on a vu, on a vu qu'un acide fort pour une concentration d'une molle par litre, à 25 degrés toujours, eh bien c'est un pH de 0 et un pOH qui est égal à 14. Et pour ce qui est de la base forte, une mol par litre, eh bien on a vu que le pH est égal à 14 et que le POH est égal à 0. Alors, dernière info intéressante, souvent les pH et les POH donc, sont compris entre 0 et 14, mais bien sûr, on peut aller au-delà et en dessous. Par exemple, si j'ai une concentration en ion H ⁇ qui est égale à 10 mol par litre, bien à ce moment-là, le pH correspondant, c'est égal à moins log de 10, ce qui vaut bien sûr moins 1. Donc il est possible d'avoir un pH en dessous de 0 et au-delà de 14.